au-dessus du Mont-Saint-Michel pour saluer les coureurs du Tour de France. Un départ grandiose, Cédric. Départ magnifique, majestueux. C'est aussi dans ces moments-là que les coureurs se rendent compte qu'ils font partie d'une course exceptionnelle. Le Tour de France est un monument. Le Tour de France est un géant et on s'en aperçoit dans ces moments précisés avant que Christian Prudhomme ne lance les coureurs. C'est parti pour 3583 km sur ce Tour de France. Trois hommes en tête partis au kilomètre zéro. L'Australien Leo Ward et deux coureurs de l'équipe Bora, Yann Barta, Paul Voss. Et derrière, eh bien, deux contre-attaquants. L'Américain Alex Hawes, le coéquipier de Pierre Roland, et le régional de l'étape de la place, le Manchon. Oui, c'était un coup prémédité, les coureurs le savaient, il fallait essayer d'être bien présent aux avant-postes pour aller surtout chercher le maillot de meilleur grimpeur. Donc du côté effectivement de la formation Bora-Argon, on a bien joué coup. Paul Voss vous en parlait, qui passe en tête au sommet de la côte d'Avranches. À lui, les premiers points du meilleur grimpeur. Il va faire le job, Paul Voss. Oui, Paul Voss a ouvert la route et c'est vrai que derrière on a assisté à un regroupement, c'est-à-dire que Anthony Delaplace et Alex Hawes, que l'on voit ici à l'écran, ont réussi à revenir sur les deux contre-attaquants et c'est surtout Paul Voss qui avait la volonté d'aller chercher ses points pour endosser le maillot meilleur grimpeur. Il est en tête, Paul Voss, en tête au sommet de la côte des falaises de Champeau. Il fait le plein des points en jeu pour le classement de la montagne, le maillot à poids. Et sur ses épaules, à ce moment-là, ce soir, le job est fait. Le dernier Allemand à avoir eu le maillot à poids, eh bien, c'était Tony Martin, une journée en 2014. On voit sur cette image le regroupement au kilomètre 40. Voss est repris, ils sont désormais 5 devant. L'échappée n'excédera jamais les 3 minutes. Vous le saviez, Cédric, sur la moto, cette échappée, elle est condamnée. Elle était condamnée, on a vu cette petite tape amicale du coéquipier de Voss. Et puis c'est vrai que l'objectif était atteint pour cette échappée. Et puis derrière, c'est vrai, les équipes de sprinteurs contrôlées à la perfection, ces 5 hommes. Vous nous en avez parlé souvent dans le direct, un fort vent latéral, de fortes bourrasques, les lotos Soudal qui mènent le tempo derrière et ça souffle énormément, l'avance forcément diminue. On est sous la minute à ce moment-là, Cédric. On est sous la minute, on est resté un bon moment sous la minute et on voit des paysages fantastiques. Les 5 hommes ont continué à collaborer parfaitement, mais c'est vrai que c'est plutôt du côté du peloton qu'on a géré. Attention, les rafales ont provoqué quelques petites turbulences. Avec les Cannondale, il y a aussi les hommes de Marcel Kittel qui vont, comme on dit dans le métier, embrayer et puis derrière, les premiers lâchés. Avec un vent de côté, il faut forcément être dans la première partie du peloton. Et vous voyez ici avec Thomas Vauclair, par exemple, on traîne un petit peu trop à l'arrière et on se fait piéger. Et puis, le grand moment de cette première étape, alors qu'on voit les hommes de Marcel Kittel qui mènent le tempo à 78 km de l'arrivée. La première grosse chute de ce Tour de France, elle est pour qui? Elle est pour un des favoris de ce Tour de France. Regardez, Alberto Contador fonce tout droit dans cet îlot directionnel, épaule droite touchée. On a eu très très peur pour l'Espagnol à ce moment-là, oui, quand on revoit cette image. Faute du leader de la formation Tinkoff qui a pris un virage un petit peu trop large. Vous le voyez, il y a un îlot directionnel, il n'a pas pu éviter la chute. L'allure était très rapide et on le voit ici reprendre la route, mais il est quand même visiblement touché. Alors dans ces moments-là, Cédric, qu'est-ce qui se passe? Parce que là on le revoit, bon, il pédale doucement mais sûrement, mais il a dû avoir très très peur, l'Espagnol. Oui, déjà dans un premier temps, on essaie de faire un inventaire, de voir si on ne souffre pas de fractures, si on a les moyens physiques de continuer. On voit ici Alberto Contador changer de vélo. Et puis surtout être attendu par ses coéquipiers, parce que dans de tels moments, c'est important d'avoir du soutien. Et cette image, regardez, le cuissard, le maillot déchiré d'Alberto Contador sur tout le côté droit. Ils sont 5 à ramener l'Espagnol dans le peloton. On peut dire plus de peur que de mal. Et regardez cette image, il a même eu un problème avec sa chaussure. Il va même faire quelques mètres sur sa soquette. Il est passé par toutes les émotions, Alberto Contador, pour cette première étape. Début Tour de France difficile pour le leader de la formation Tinkoff. Alors effectivement, il va falloir faire l'inventaire de ses blessures ce soir. Mais on le voit quand même ici avec son mécanicien. On change de chaussures. Tous les coureurs, comme le disait Laurent Jalabert pendant le direct, ont une paire de chaussures de rechange dans la voiture. Les bandelettes pour Alberto Contador. Le service médical a pris soin de lui. Et devant, bien sûr, les 4 coureurs échappés ont passé le sprint intermédiaire. Et c'est une répétition peut-être de ce qu'on aura à la fin de cette échappée, de cette étape, avec André Greipel qui gagne le sprint intermédiaire devant Kittel, Sagan, Coquart. Et à ce moment-là, il était loin, Cavendish. Absolument, Cavendish s'est désintéressé de ce classement par points, puisque du côté de Greipel, on voulait forcément essayer de marquer des points, alors qu'à l'avant, vous voyez, l'entente n'était pas parfaite. Et deux coureurs, les deux qui étaient déjà en contre-attaque, poursuivent l'aventure, Anthony Delaplace et Alex Hawes.
Anthony Delaplace qui est sur ses terrains d'entraînement et qui veut faire le job. Il veut se montrer, il veut montrer le maillot. Il sera élu le plus combatif. Alors que là, les deux coureurs, après une échappée magnifique, sont repris à 4 km 500 de l'arrivée. Oui, nous le disions, hein, c'est une journée qui ne pouvait pas échapper aux sprinteurs. Et voilà, sous la flamme rouge, le travail des équipiers du sprinter commence et on sent vraiment qu'il y a une certaine nervosité qui est résiduelle dans le peloton. La nervosité est extrême parce que gagner une étape sur le Tour de France, eh bien c'est magnifique. Les poissons pilotes, les déménageurs du sprint font le ménage autour de leurs principaux sprinteurs. On voit là aux avant-postes les hommes de Marcel Kittel. Peter Sagan est aussi bien dans la roue des principaux favoris. C'est attention, on est à 500 mètres de l'arrivée et c'est là que Sam Bennett va tomber. Les principaux rescapés pour ce sprint royal, ils ne sont plus qu'une quinzaine de coureurs. On voit Peter Sagan qui, regardez, il est là, il est bien placé, il fait son effort à 300 mètres de l'arrivée. On se dit que Peter Sagan va peut-être enfin mettre fin à cette malédiction des deuxièmes places. Et à 100 mètres, on se dit que le plus fort sur ce sprint, ce sera Marcel Kittel. Eh bien non, c'est Marc Cavendish qui prend la bonne roue et qui gagne. Oh là là, 27e victoire des. Oui, un sprint difficile. Et c'est vrai que dans un premier temps, on avait l'impression que Peter Sagan pouvait l'emporter. On a cru Marcel Kittel capable. Et non, c'est ce diable de Marc Cavendish qui est venu remporter brillamment cette étape. Et la joie de Marc Cavendish, comme vous y étiez, regardez sur la ligne d'arrivée. Séquence émotion. Marc Cavendish, Cédric, qui récompense et qui remercie ses coéquipiers. Oui, c'est une habitude pour Marc Cavendish parce qu'il sait très bien qu'on ne peut pas gagner sans équipe, on ne peut pas travailler sans un travail des coéquipiers, Marc Renshaw. Voilà, toute l'équipe a contribué à cette victoire et Marc Cavendish qui a ajouté une nouvelle ligne sur son palmarès déjà très fourni. La joie de Marc Cavendish et regardez le masque déjà de souffrance dans cette première étape d'Alberto Contador. Alors, eh bien, Marc Cavendish, il est venu souvent sur le podium aujourd'hui. Victoire d'étape, maillot vert, maillot jaune. Une journée historique pour lui. On l'a rappelé en début, en fin de retransmission, c'est la première fois qu'il portera le maillot jaune. Oui, c'est exceptionnel pour Marc Cavendish et tout à l'heure au micro de Gérard Rolls, on a vraiment vu un coureur ravi, content de son travail. Je crois que vraiment c'est l'aboutissement d'une belle carrière pour Marc Cavendish. Ça n'est que mérité. Alors, les classements provisoires. On ne l'a pas souligné tout à l'heure quand on commentait dans les conditions du direct, mais il y a deux Français dans les 10 premiers de ce sprint. Et c'est beau, Christophe Laporte, Brian Coquart. Les Français sont déjà bien placés dans ce sprint de cette première étape. Deux Français dans les 10, c'est beau. Absolument, venir intégrer un top 10 sur une...